Bonsoir à tous. Jazz a annoncé tout à l'heure qu'elle était atteinte d'une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Gilbert. Laurent s'exprime pour la première fois à ce sujet. Je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Fatigué. Parce que moi, je suis une cousine à Gilbert. Tu viens avec moi au sport ? Tu vas avec moi au sport ou pas ? Non. Oh, c'est la réponse. Tu viens pas avec moi au sport ? Allez, viens. J'ai un syndrome Gilbert, tu comprends quoi ? Syndrome de Gilbert, c'est pas une blague en plus. C'est mec. Elle a une maladie, c'est vrai ? T'as une maladie qui s'appelle comment pour de vrai ? Syndrome de Gilbert. Le syndrome de Gilbert. Ça veut dire qu'elle est tout le temps fatiguée, tout le temps... C'est quoi déjà ? Tout le temps stressée, tout le temps fatiguée ? Stress, fatigue, chute de tension, angoisse... Bref, pas cool du tout. Jaunisse. Quoi. Pourtant, t'es pas jaune, ça va. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste relou quoi. C'est relou, mais c'est pas grave. Vraiment ça, carrément, on savait pas ce qu'elle avait parce qu'elle était tout le temps fatiguée, alors qu'avant elle se levait tout le temps à 9h, etc. Du coup, elle a fait tous les tests possibles et les médecins ont dit qu'elle a le syndrome de Gilbert. Et c'est vrai en plus, c'est pas une blague. C'est que 7% de la population au monde. Que 7% c'est énorme. 7% de la population, c'est minuscule. Oui, bah en gros, c'est une maladie qui te donne la flemme. C'est la maladie de la flemme. Non, c'est pas la maladie de la flemme. C'est juste, t'es fatigué à fond, t'as des chutes de tension. Du coup, ça devient, c'est un peu dangereux parce qu'il y a des chutes de tension. Du coup, en fait, il faut pas se forcer à rester réveillé, etc. Et voilà. Mais par contre, ça se guérit pas. C'est ça. Ça se guérit pas, mais c'est pas très grave. Tu peux l'avoir très prononcé. C'est pas une maladie grave. C'est pas. Après, ça se réduit. Après, ça tu peux ne pas. Voilà. Après, t'es juste très fatigué. Enfin, fatigué souvent. Stress. Mal aux yeux. C'est ennuyant, quoi. Okay. C'est une maladie ennuyante, gênante. Mais qui, grâce à Dieu, n'est pas grave pour la santé. Ça va, Gilbert ? Il y en a, j'en suis sûr, ils aimeraient bien. Je me demande si Emine, il n'a pas le syndrome de Gilbert. Parce qu'Emine, il dort beaucoup quand même. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils aimeraient avoir le syndrome de Gilbert, être fatigué tout le temps, juste dormir. Il y en a beaucoup, ça serait leur excuse. Ça serait genre. Mon fils, tu vas à l'école ? Non, maman, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué, j'ai le syndrome de Gilbert, du coup, je reste au lit. Je suis fatigué. Emine, c'est sûr, il a. Lui, il a le syndrome de Yves, carrément, c'est pas de Gilbert. Ce qui est le plus drôle, c'est quand je dis à ma mère, j'envoie à ma mère les résultats, je dis tiens, regarde et tout, j'ai le syndrome de Gilbert. Elle m'envoie. C'est pas... Elle n'est pas inquiète de la maladie, elle me dit. C'est qui Mais Gilbert ? Comment ça, Gilbert ? Je suis sûr, il y en a plein, ils vont taper sur Google, là, syndrome de Gilbert.